Vidéo, tu vas découvrir trois outils de montre horloger que j'utilise au quotidien depuis maintenant 2 ans. Je crée aujourd'hui vraiment une multitude de montres avec plein de mouvements différents, avec plein de styles différents, etc. Donc comme tu peux le voir, tu vois, franchement, il y en a énormément. Celle-ci, c'est ma toute dernière. T'en as de toutes les couleurs, de tous les styles. Watchmaker, c'est vraiment un univers vraiment immense, illimité, c'est-à-dire que... On parle de montres, de mouvements de montres, mais pas que ça. Ça peut parler de matières premières, d'aluminium, de peinture. Ça peut parler de machines laser. Ça peut parler de vraiment énormément de choses parce que finalement, en fait, t'as aucune limite à part celle de ton imagination. Bref, si t'es intéressé par cet univers-là, j'ai créé une formation. Je te le mettrai en lien dans la description de cette vidéo. Les trois outils, on aura présentation de l'outil, utilisation forcément parce que ce sont des outils, donc tu les utilises, et une anecdote que j'ai forcément. Premier outil de notre sélection, ça c'est vraiment un classique, c'est la petite règle électronique. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les montres, on parle toujours en millimètres. Donc en fait, qu'on parle de cadran de montre, quoi que ce soit, c'est tout le temps en millimètres. Et admettons, tu vois, tu veux savoir, bon bah, c'est quoi la dimension de ta montre? T'as juste à faire ça, paf. Donc en matière d'utilisation, ça tu vois, c'est vraiment pratique. Là, tu sais que la montre, c'est 1,40. Admettons, tu veux changer le bracelet de ta montre, paf, tu fais ça, tu sais que c'est du 20 mm. Donc ça, franchement, c'est incroyable. Alors, comment ça fonctionne? C'est pas compliqué. Tu vois, là, tu as le bouton on, off, tu appuies ici. Donc, c'est en millimètres. Sinon, c'est comment? C'est ça, je ne sais pas ce que c'est. Donc, toi, dans tous les cas, l'utilisation qui te concerne dans les montres, c'est le millimètre. Tu peux être ici, tu peux repartir de zéro et ensuite faire ça. Donc ça, c'est utile. Mais en règle générale, tu auras tout le temps, en fait, tu vas tout le temps l'utiliser en partant de zéro. Et tu vas tout le temps utiliser cette partie juste ici. Alors concernant l'aspect négatif, je dirais, c'est quoi? C'est peut-être la petite pile. Tu devras en racheter une. Donc moi, je te conseille d'acheter directement cette règle plus des piles de rechange. Comme ça, tu seras tranquille pendant 15 années. Concernant l'utilisation, je vais vraiment te montrer un cas, mais concret. Le cas concret, c'est simple, c'est ça. C'est-à-dire que là, j'ai simplement un petit cadran avec le mouvement, les aiguilles fixées. Je me demande, est-ce que ce cadran-là peut passer dans un boîtier de montre? En règle générale, je pense que ça, c'est du 28,5. Donc, je regarde. Putain. Voilà, en plus... Je me suis dit, tiens, j'ai plus de piles au moment où je tourne la vidéo. Ça aurait été vraiment dommage, quoi. Donc, bref, bon, voilà. On va chercher la dimension du cadran. Et là, je m'aperçois que le cadran, c'est pas un 28,5, c'est un 30. Donc, du coup, je vais devoir, justement, trouver un boîtier de montre qui accepte les 30 et pas les 28,5. Et pas tous les boîtiers de montre prennent du 30. Donc là, ça va être compliqué. Donc ça, c'est vachement, vachement utile dans l'horlogerie, le millimètre. Concernant l'anecdote que j'ai, justement, ça a été quoi? Ça a été assez compliqué un moment. Pourquoi? J'avais plus de batterie. Et en fait, pour recharger la petite pile, tu vois, je vais simplement, tu vois, dans la grande surface à côté de chez moi. Et il n'y avait pas justement la petite pile, en tout cas cette référence-là qui passait. Donc moi, je t'encourage directement à prendre directement ça, plus directement des piles qui vont direct, qui vont pour cet objet-là. Les piles, je te mettrai la référence justement en lien dans la description. Avec la référence de ça plus des piles, achète les deux, t'en auras pour 15 ans, tu seras tranquille, quoi. Deuxième produit vachement intéressant, c'est ce jeune produit rouge du Saint-Seigneur, tu vois. Alors pourquoi c'est intéressant? Tu vois, ça se présente comme ça. À l'intérieur, tu vois, c'est bleu. En gros, c'est bleu, comme ça. À quoi ça sert? C'est simple, c'est du frein filet, c'est-à-dire qu'on va en mettre sur les tiges de couronne et ça va venir bloquer ta couronne, tu vois. Ça vient agripper de l'acier, quoi. Concernant l'utilisation, ça sert à quoi? Tu vois, ici, là, ça, c'est pour changer l'heure. Concrètement, tu as un mouvement. Tu vois, tu as un mouvement de montre. Ensuite, à l'intérieur de ce mouvement, tu as une petite tige métallique. Et la tige métallique, ensuite, elle est reliée à ça, à ce bouton-là. En fait, c'est pas compliqué. Quand tu vas fixer ta couronne à la tige de couronne, tu mets le produit bleu que je viens de te montrer. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va venir agripper justement la couronne et ça va pas venir se déclipser, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, si tu fais pas ça, tu as deux solutions. Soit tu forces un petit peu plus, tu vois, donc tu forces bien. Et si tu forces pas assez, quand tu vas vouloir remonter ou bien changer l'heure, c'est possible que la couronne se décroche. Et donc, si elle est décrochée, qu'est-ce que tu fais?
En règle générale, en fait, si elle est décrochée, logiquement, tu es censé ouvrir le boîtier, enlever le mouvement, ensuite reprendre la tige de couronne et ensuite refaire les choses proprement. Grâce justement au frein filet, tu vas pouvoir venir fixer la couronne à la tige, à la tige qui fait l'intersection entre ça et le mouvement, quoi. Dans Watchmaker Formation, il y a une vidéo où je vous montre en direct comment ça se passe. Alors concernant l'anecdote, c'est vrai que moi au tout début, forcément, j'avais pas forcément ce matériel-là, donc je faisais ça et ça m'arrivait que la petite couronne ici, paf, elle ratterrissait justement dans mes mains quoi. Et quand t'es, je sais pas, au restaurant ou dans un bar ou dans la rue, là tu te dis waouh, mince, là ça fait chier. Et c'est vrai que c'est assez rassurant d'avoir ce type de produit-là. Ça coûte pas trop cher en plus, c'est vraiment utile, c'est vraiment cool. Une fois que tu as goûté à ça, après c'est terminé, tu ne vas pas revenir en arrière. Voici le troisième outil. Alors c'est simple, c'est ça, tu vois, tu as ça. Ensuite, tu as différentes dimensions. Et ici, ça sert à quoi? Ça sert à ouvrir les boîtiers de montres avec des rainures. Donc je vais te montrer une montre avec des rainures. Par exemple, pas toutes les montres. Voilà, tu vois ça. Juste ici, tu as des rainures. Donc ça sert à ouvrir justement ce type de boîtier de montre proprement. Donc en fait, tu vois, tu as plusieurs dimensions. Tu as toutes les dimensions pour tout type de boîtier de montre avec ce style de fermeture-là. Et en fait, regarde, tu as plusieurs manières. Là, sur cette montre ici. Sur cette montre ici, en fait, ce n'est pas des rainures. Donc là, on est vraiment sur ce type de boîtier de montre-là. C'est différent. Donc là, en fait, c'est vraiment utile. C'est-à-dire que tu vois, tu as plein de mouvements. En fait, aujourd'hui, par exemple, ce mouvement-là, c'est également des rainures. Donc si tu veux vraiment ouvrir proprement ce style de montre, en réalité, tu es obligé d'acheter ça, quoi. C'est-à-dire que sinon, tu vas vraiment faire le cochon. Et honnêtement, une fois que tu as fait le cochon avec ce style de boîtier à l'arrière, d'abord c'est dommage, ensuite c'est très moche et tu vas vraiment griffer l'intégralité de ta montre. Et si tu commences à casser ça, alors là c'est terminé pour toi. Alors concernant l'utilisation, c'est pas compliqué, tu as plusieurs types d'embouts. Une fois que tu as trouvé l'embout comme ça, paf, tu as juste à faire ça. Et en fait, ça va directement venir s'agripper. Il te suffit ensuite de forcer, de tourner, et en fait ça part tout seul, tu vois. Donc franchement, utilisation très facile, logiquement, t'as très 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 vite compris. Et concernant une anecdote, la réalité c'est qu'en fait, pour certains types de boîtiers comme celui-là, quand tu vas l'acheter, en fait, si tu veux, ils sont déjà ouverts. Donc vu qu'ils sont déjà ouverts, tu peux te permettre de ne pas acheter cet outil-là directement. C'est-à-dire que tu vas l'acheter plus tard et en fait, tu vas simplement venir refermer ta montre avec tes doigts. Mais au bout d'un certain moment, c'est mauvais forcément pour l'étanchéité, c'est-à-dire que c'est pas au top pour l'étanchéité. Et on va dire que c'est un petit peu relou d'avoir une montre avec un boîtier à l'arrière que tu peux ouvrir à la main. Donc dans tous les cas, si tu as des montres avec des rainures et que tu es intéressé par tout ce qui est watchmaker, achète cet objet-là, quoi. Tu vas finir par acheter l'outil. Donc moi, je te conseille de l'acheter le plus tôt possible. Alors si tu as déjà ces outils-là, n'hésite pas à me dire ce que toi, tu en penses. Si tu as d'autres outils à recommander, n'hésite pas à mettre un commentaire comme ça. Peut-être que moi aussi, j'ai déjà ces outils-là et je pourrais en faire une prochaine vidéo. Je pense que ça, c'est vraiment trois outils, on va dire, des classiques à mes yeux. Pour moi, ça, c'est vraiment des trucs à avoir que j'utilise pratiquement quotidiennement. La vérité, c'est vraiment des outils quotidiens. Ça fait quand même 2 ans que je suis vraiment à fond dans les montres. Et pour moi, c'est vraiment trois indispensables, on peut le dire. Donc le lien en commentaire ou dans la description, abonne-toi, mets un petit like, partage cette vidéo, ça me donne de la force. Le like, je ne sais pas si ça change quoi que ce soit pour le référencement, mais en vrai, ça me fait plaisir. Donc n'hésite pas à mettre un petit like et je te dis à demain. Là en ce moment, je suis en J5, c'est-à-dire que je vais essayer de faire 10 vidéos, c'est-à-dire là je suis à 5 vidéos, une vidéo par jour. Et l'objectif, c'est vraiment de faire une vidéo par jour. Donc trouver l'idée, faire le montage et ensuite faire la vignette, faire la structure de la vidéo et publier la vidéo. C'est sportif. Mon record, ça a été, je crois, 5 vidéos d'une manière consécutive. Aujourd'hui, on y est. Et là, on entame les 5 dernières vidéos. Et quand j'aurai fait mon J10, je serai enfin honoré, frérot.